Salut à tous encore. Une superbe semaine de foot passée en votre compagnie. Mais si, par hasard, vous avez raté une ou l'autre émission de La Quotidienne, on vous a préparé le best-of, la crème de la crème. Régalez-vous et on se voit très vite. ¿Dónde está CR7? CR7, ¿dónde está? Et pour nous, l'image du week-end, c'est ça. Alex Ferguson, Arsène Wenger et José Mourinho réunis à Old Trafford pour le dernier match d'Arsène Wenger sur la pelouse des Mancuniens en tant que manager d'Arsenal. Les petits gars de Manchester qui d'ailleurs ont remis un trophée au coach français. Et on a beaucoup aimé aussi l'interview de José Mourinho ce week-end. Ils se sont battus avec Wenger, ils se sont détestés. Mais malgré tout ça... I hope that is the end of his career with Arsenal. Not the end of his career as a manager. I think he's too good and loves football too much to stop now. I have to admit that I feel sorry. I feel sorry because he will be the last one. You know, after Sir Alex, I think Arsene Wenger is the last one. Le Bayern s'est défendu, le Bayern s'est battu, il aurait même pu bénéficier d'un penalty après une main de Marcelo. Oui, il y avait main, c'est lui qui le dit. Si, si, me pega la mano. Non, me pega. Pues se ha pegado mi mano, yo creo que sí, pero a ver, yo hace mucho, sabéis que no hablo de los árbitros. Ils ont perdu le match, mais ils ont gagné le droit de disputer une finale de Ligue des Champions. La 8e de leur histoire, Liverpool s'est incliné hier pour la première fois de la saison, défaite 4-2 face à une Roma un peu désespérée, un peu trop désorganisée pour vraiment effrayer les Anglais. Jürgen Klopp, il était déjà émotif avant le match, je vous laisse imaginer après. We came in that competition as a qualifier and are now in the final, and I'm really, really happy for the boys. I'm really happy for the club. I'm really happy for our fans. It was a fantastic ride so far, and yeah, now we will go to Kiev, which sounds crazy, and but it is the truth. Alors on a failli avoir peur quand Salzbourg a mis deux buts, quand les Marseillais avaient l'air cuit, quand la séance de tirs au but se profilait. Et puis la 116e, Rolando, et la folie bleue et blanche partout dans le monde. Pour l'OM, je saute. C'est la 5e finale européenne de l'histoire de Marseille. Il y a de la fierté, de la pression, de la joie, de l'épuisement et des joueurs forcément hyper contents après le match. Même à la fin, on sait qu'on peut y arriver, on a la qualité, c'est quelque chose d'inoubliable. On est des petits cons, mais voilà, on arrive encore à s'en prendre deux et aller marquer ce but en prolongation. Voilà, c'est nous, c'est l'OM, c'est comme ça. C'était le feu, j'ai fait que crier, j'ai plus de voix, je suis fatigué. Je m'en tape de jouer une finale à Lyon ou à Bâle. Moi, tant que je joue une finale avec l'Olympique de Marseille, c'est le plus important.